Bon Fred, t'es arrivé un petit souci? Ouais, un petit souci, j'ai eu du mal à me réveiller ce matin et j'ai chargé le coffre de tous les sacs photos. Un peu pressé, ouais. J'ai fini par oublier mes deux boîtiers, ce qui est quand même très cool. Donc on a fini par t'en prêter un. Voilà, voilà. Super boîtier, une grande gentillesse de la part de la personne qui, je ne cite pas Béa, m'a passé son débissant. Donc c'est plutôt sympa. Je pense que je vais oublier mes appareils photo plus souvent pendant le séjour. Dans une vitre, quoi, c'est... Non, mais il parle de l'effet de lumière là-haut. Là. Ouais, un peu coloré là. Ah d'accord, c'est vrai que tu parlais. Ouais, pour le coup, là, l'étoile, c'est... Tu te la mets bien profond. Ça, je le vois le prisme là. Donc ça sert à strictement rien du tout. Qu'on passe comme des cons. Ah, c'est pour ça que je te dis, moi j'ai laissé tomber là. Ah, mais toi tu l'as eu hier, hein? Mais ouais, bon, mais je l'ai eu, mais c'était un peu trop exposé. Donc je pense que je sais pas si je vais avoir un truc. Quoi, c'est vrai? Mais on l'a eu en même temps? Vas-y, parle. C'est vraiment l'objectif. Ah oui! Non, mais c'était pour déconner, Léa. Alors les paysages hallucinants, les couleurs énormes. Et là je suis en train de prendre le sommet des arbres, c'est juste énorme. Je sais même pas si de la balle ça se dit encore, mais pour moi c'est de la balle. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ces couleurs. C'est juste fantastique. D'accord. Je rappelle aux passagers que la pipe est interdite sur le bateau quand même. Alors la pipe. On est embarqué là-bas. Parce qu'on ne sait jamais. Pour la pipe est interdite. Sur son effet. Exact. Tu filmes ? Bon Fred, on va où là ? Donc direction la jolie cascade que Julien Grondin alias B-Boy a illustré. Ouais. On va essayer de constater si son étoile est réellement à la bonne position, comme il nous l'avait affirmé. Donc là on va aller voir tout ça. On va l'avoir plein axe, plein centre de la cascade. Et ça va toucher le bord du haut en fait. Hein. Ouais, ben. On va essayer d'étoiler tout ça et. Comme il n'y a pas de nuages, malheureusement, on va devoir attendre qu'elle frôle avec le haut de la cascade. Et on espère faire une bonne photo, voilà. Donc, de toute façon, on verra les résultats. On va installer tout ça. On va bloquer les entrées et les sorties pour éviter que les gens passent. On va privatiser les lieux. Non, je déconne. On va prendre maître des lieux. Du moins, on va essayer de shooter au mieux. Voilà. Non ? Ouais, je pense. Ouais. Un B1, on a trouvé la parade. Maintenant, on met les trépieds dans l'eau. Voilà. On n'a pas peur, nous. Ça va être dans l'eau. Parce que les gens, quand ils marchent, eh ben, ils font bouger. Et ça, c'est insupportable. Alors maintenant, on arrive à trouver des solutions, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, nickel. Voilà. Système D. Et si on n'arrive pas à faire des bonnes images, c'est que on est de mauvaise volonté. Hein. Exactement. Ah bah, carrément. Alors Fred, lui, c'est un guerrier. Hop. Carrément les pieds dans l'eau. Elle est bonne? Elle est fraîche? Ouais, super. Mais toi, t'es un homme du froid, toi.
Ouais, j'adore ça, moi. C'est un ch'ti, il vient de Schnorr. Représente 59, gros.